le mini-boss. En espérant qu'il va pas me troll maintenant avec ses triples coups. Hop. Forcément, je dash là où il tape. Super. En fait, ouais, je pourrais faire comme ça au pire. Non. Tellement imprévisible. Ouh, ok, ça va mieux comme ça, mais bon, c'est assez grid. Faut être vraiment dans la danse avec le mob. Ok, qu'est-ce que ça fait comme chemin? Ah bah, c'était pour le fragment, j'imagine. Yep! Et c'est lequel? C'est le rouge? Ouais, c'est le rouge. Non, c'est le vert que je voulais. Enfin, je préfère le vert parce que ça donne de l'HP. Et celui, bah, ça up la magie. Tu as 3 fragments. Ah, j'ai déjà 3 fragments. Ok. Il m'en manque un seul. Yep. Du-du-du. Ok. Alors là, c'est la troisième zone, non? Je pense. Ok. Mais je trouve, enfin, le truc qui est un peu frustrant, je pense, dans ce jeu, c'est l'incapacité de se healer lors des combats. Genre, par exemple, les boss et tout ça, il se pourrait qu'on puisse choper du dégât. Et alors, c'est plus possible, il faut que tu tombes le boss ou alors tu crèves, quoi. Et tu recommences à nouveau. Parce que même dans les Dark Souls, on peut se healer avec les potes, quoi. Ok. Bien le bonjour, face de bec. Comment se passe ton aventure? Ah, c'est Omar Meat. Omar Meat. La blague. Hein, Elia? Est-ce qu'elle est encore là? Omar Meat. Voilà, encore un nouveau piège. J'aime faire halt au marin échoué pour refaire le plein des délicieuses soupes de Jefferson. C'est un homme étrange, mais un très bon chef. Ok. Ici, y a rien. C'est cosy. Alors, est-ce qu'il y a un secret? Oui, ça a l'air. Ok, nice. Tu as trouvé un journal d'aventure. Il est trempé, les pages semblent être collées ensemble. Ouais, d'accord. Espérons que ça soit de l'eau. Hein. Merde. Mmh.
Attends, je vais d'abord prendre le TP. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Brutus, le malin. Ah, bah c'est l'autre de la prison, ok. Bonjour, petit piaf. Moi, aller partout, voir plein de choses. Monde du dehors, très joli. Aimer, rire, vivre. C'est tout ce que veut Brutus. D'accord. Ouin, sniff, corbeau ivre. Oh Betty, Betty ma beauté. Oh Betty, Black Betty, oh Black Betty. Un clin d'œil? Un aquarium? Vide? Qu'est-ce que c'est? Ah, Jefferson, ok. Bonjour, ami bipède. Moi, c'est Jefferson, humble barman et amateur de fruits de mer, à ton service. Est-ce que je peux te préparer un bon petit plat avec mes mains humaines? Bah oui, pourquoi pas? Formidable! Et un plat délicieux, hein? J'adore cuisiner à l'aide de mes mains de mammifères à plusieurs doigts. J'espère que c'est pas du bait. Bon, je vais te dire quelque chose pendant que tu ingères tes nutriments. Un secret est enfoui sous les douves du domaine de la sorcière des urnes. Pour l'ouvrir, il faudra utiliser une flamme vive dans les jardins à l'est. Ah, un secret se cache derrière la maison d'une puissante sorcière accessible par l'ouest. Oh, il y a trop d'informations là. Pour le trouver, tu dois chercher des ouvertures dans la haie. Il se passe beaucoup de choses dans la cave de la sorcière avant même d'arriver à la chaudière centrale. Un attelage de taureaux pourrait t'ouvrir ses secrets. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Très bien. Jefferson, achève! Encore un. Ok. Ah bah en plus on a régène. Ah, le masque il a pop. Bizarrement. Tu as reçu le masque de Brutus. Ce larbin semble avoir fait allégeance à un nouveau chef. Ah bon. Ah bon. Très bien. Ok, lire vers le sommet par le Castel du Pen. Castel du Pen. Ouais, encore un piège. Je ne sais plus lequel. Ça sert à quelque chose, je pense. C'est peut-être pour TP. Avec les âmes. Ah, une épée. Oh. Wait, what? Comment on accède là-bas? Ah ouais, en plus il y a le... Ouais, ok. Bah, je pense qu'il faudra stepper là-bas. Et pour ça, il faut d'abord le sort. Tiens, bonjour, voyageur. Vas-y, dis-moi tout. Ça avance ton aventure? Tu as de bonnes histoires pour que je ponde une chanson? En fait, je suis venu dans ces montagnes en quête d'inspiration pour mon prochain chef-d'œuvre. Il paraît qu'un monstre vit dans les montagnes. C'est dingue, non? L'ivrogne qui traîne près du marin échoué dit que la bête a enlevé sa chérie. C'est pas foufou, ça? En ce qui me concerne, je suis sûr que j'aurai bientôt de quoi composer une balade d'enfer. Si seulement je pouvais dégommer ces fichues pierres qui bloquent le passage. Bah, y a pas de problème. Pas de problème. Ah. Loupé en plus. Ok. Ah bah, il est tout content, c'est bon. Ok.
Qu'est-ce que tu me dis maintenant? Tu es trop fort, toi! Tu as tout dégommé! Tu assures comme une bête! C'est peut-être toi qui m'inspirera mon prochain tube. Ouais, si ça te fait trop rien, je vais peut-être m'incruster dans ton aventure. À la revoyure, Korvac. Yeah! Peut-être une suite. Ah, peut-être un secret là, non? Non, 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 du tout. Oh. Ah, la statue du gars qui m'a applaudi comme ça. Ouais, tu veux une récompense? Ah bah, il t'applaudit et il dit « Bravo !» Ce petit malin, petit comique. Ah, j'ai... Oh, je pensais que c'était dans le décor, mais non. C'était une graine. Oh. Tu passes quoi, là? Ah, il y a un truc, là. Ok. Wow. Ah, nice! Et c'est lequel, celui-là? Le vert ou le rouge? C'est encore le rouge. Ok, bah là, c'est le full. Donc, je pourrais améliorer la mana. Ah, c'est les... Ah, ok, d'accord. Nice! Ça, c'est cool. Un stack en plus. Mais je vais devoir revenir là-bas parce qu'il y a une âme, j'ai vu. Yep. Ok. Ok, là il y a plusieurs chemins encore. Secret, par là? Ou pas? Ah! Non? Ah, c'est dommage. Je pensais. Ah, attendez, parce que là-bas, j'ai loupé un truc, alors? Là, j'ai l'impression que ça va vers une autre... Enfin, le château, quoi, je sais plus. Je vais d'abord aller par là. Yep. J'ai peur de louper un truc. Ici, derrière? Ah, sérieux, Rira? Non! Ça m'abate encore! Sniff! Ok. Eh bien, direction vers ce donjon. Sympa. Attends, c'est pas le... Ce sera pas le troisième boss, le gars? Ah. Ah, on sait pas ouvrir. C'est... Si, ok. La
la petite plante, let's go. Et le TP le plus important. Nice. Alors, comment on se retrouve, Korbach? J'espère que tu ne m'en veux pas si je m'incruste. Il faut qu'on trouve un moyen de traverser cette ancienne forteresse si on veut escalader cette montagne. Enfin, quand je dis nous, je veux parler de toi. Je vais rester ici pour bosser sur les paroles de mon prochain tube. Ouais, super. Préviens-moi si tu trouves un chemin. Ouais, l'incruste, quoi. Alors, il y a plusieurs chemins. Oh. Ok. On va aller par là. Ah. Du speed. Let's go. Encore un chemin. Ah, il y a un truc là derrière. Attends. Ah, y a rien. Ah, sérieux, le bait encore. Ok. Je vais d'abord aller par là peut-être. Waouh, y a trop de chemin. Ok, là y a un truc là. Hop. Ah, super, avec des lasers en plus. Non. Ok. Ça m'a bait. Merde. Attendez. Essayez de ne pas gaspiller les dalles. Ouais, sérieux? Ah merde, genre on se fait toucher, c'est bon, c'est mort. Waouh. Ok, c'est chaud. Ok. Mais what? Attendez. Oh. Ah, donc ça va toujours dans un sens. En gros, ouais, il faudra tourner. Est-ce qu'on pourra arriver? Enfin, si, normalement, oui. Et là, il me faut du régène, parce que là, c'est mort. Attends. Du régène, il y en avait... Ah, enfin, ici, ouais. Ouais, ici. Je vais faire le TP, comme ça, bah, ça aussi on peut se régénérer via le... Bah, la porte. Par contre, on fait repop les mobs, hein, ça. C'est du Dark Souls. Ok. Alors, let's go pour... En plus, cette dalle... Ah, ok. Ah, en plus, ça repop. Ah ouais, ok. Let's go. Faisons comme ça. Tranquille. En fait, il faudrait un petit peu attendre pour pas trop vite. Parce que sinon, ça va accélérer, voilà. C'est bon? Ok. Ah bon? Je me complique la vie, tu sais. Oh. Sympa le décor. Ah. Wow. D'entrée, ok. Ok. On se calme, j'ai dit. Encore des nouveaux patterns à prendre. Ça va, il est plus simple que... Ah, celui-ci, oui.
Ah justement, c'est celui que je craignais. Ok, en plus il y a du Friendly Fire, heureusement. Merci le mago des explosions. Ok. Encore ce... Oh. Non, on pouvait pas gratter des coups. Non. Ah, je déconne. Ok, attendez. Je vais d'abord peut-être focus le gros. Comme ça, hop. J'ai eu peur là. Je pensais qu'il m'a eu, mais non. Ah bah, rebelote les. Ok, les âmes. Il fait un froid de canard. Rip. Rip. Encore une porte. Une bonne méthode pour régène. Sans devoir utiliser le pot. Yeah. Alors next. Y'a un truc qui va me dire d'autre. Il récolte des âmes pour le bonheur des dames. Pas top ça. Ok. Toujours cette mécanique là. Enfin, à mon avis, ça doit servir pour bah, TP. Une clé. Là, il y a le truc. Stomp. Une graine à côté d'un pot. Ça, c'est classique. Est-ce que je peux pas stomp d'ici? Ah oui, 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 oui. Attendez, on va faire ça. Hop. Yeah. Une âme. Par contre, il y avait encore un autre chemin. Ici. Ah, c'est peut-être pour revenir au centre. Et peut-être un secret. Ah bah si, quand même. Un petit levier. Qui fait... Qui ouvre ça? Ok. Ouais non, ça c'est en hauteur. Je pourrais pas récupérer. Gauche, droite? Allez, gauche. Gauche. CJ, le maître du pen. Premier maître des portes à conclure un pacte avec la mort. Hein? Son héritage est inestimable et son règne absolu. Dirigeant froid, attaché à l'ordre et à la loi, il affirma son pouvoir et à la... aller bâtir les fondations de la salle des portes. Ok, le créateur. Ok. On l'a pas vu assez souvent en plus. Oh. Très bien. Donc il y a les âmes, il y a les torches aussi allumées. Là, je pense que c'est mort. Ah non, c'est pas possible.
Ah tiens. Ce qu'il veut. Ceci est notre dernière demeure, celle des maîtres des portes. Je suis le maître du Pen, et cette crypte porte mon nom. Les maîtres des portes étaient une anomalie. Une erreur de l'univers, pourrait-on dire. Et n'est-ce pas là une description pertinente de la vie? De l'existentialisme? Une erreur dans l'univers qui grandit et prospère. Une existence née dans la conscience. C'est profond. Et préserver cette conscience, c'est le but le plus noble et le plus grand. Oh! Ouais, c'est assez profond. Je m'attendais pas à de... l'existentialisme dans ce jeu. Oh! Ah, super, des mobs. Le mob que je déteste, forcément. Non! C'était pas bien. Nice. Le marteau, il fait quand même assez bobo, je trouve. Enfin, merde. N'est pas amélioré à fond. Il faudrait que je traîne pas dans les améliorations. Non, grid. Non, mon dieu, le miss. Yeah. Deuxième âme, deuxième. Enseveli avec les anciens maîtres, certains en seraient honorés. Moi, je trouve ça tragique. Deuxième âme, c'est bon. Bah on va prendre ceci. Ici on sait rien faire malheureusement. Attends, là il y avait pas un truc. Ah si, ouais, mais c'est pour le la clé. Ouais, ok. Là, c'est pour la porte. Et ici, un truc. Ah. Laser time, super. Saladia, salut, salut. Voilà, ok, il est déjà à l'avance sur mes répliques, super. Ah bon? Comment ça? Quoi, il marche pas le... Attendez. Comment il marche pas? Non? Ah, ça déconne un peu, ok. Bon. Ah, c'est peut-être pour ça que je t'ai pas vu toute la journée ou quoi? Enfin, dessus? Parce que je me suis dit, attends, mais il est passé où? Il est en vacances?
Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Ah, super. J'aurais dû... Ok. YOLO! Ok. C'est la mécanique de Super Meat Boy. Ah, j'en bavais de cette mécanique, mon dieu. Ok. Ouais, le laser, il va s'activer. Ou pas. Encore autre chose. Mon dieu, je pensais que c'était un HF, mais non. Heureusement que c'est pas timé, ce truc. Ok. Hop. On ouvre ça. Let's go. Et une graine. Une. Alors. Ah. Et mob. Sûrement. Oh, yeah. En plus, le gars que j'aime pas non plus. Okay. Peut-être faire les flèches. C'est pas qu'est-ce qui fait le plus de dégâts, mais bon. Tant pis. Oh, il m'a esquivé, bordel! J'espère qu'il va pas troller comme l'autre, avec 3 hits parfois. Ah. Merde. Ah, il s'enlève de la carapace celui-là, ok. Ah, il fait un jump aussi. Soit il est simple. Ok. Je parle trop vite en plus. Ok, super. Nice. Ok. CJ, le maître du loquet. Ah. Premier successeur de la ligne des maîtres. La lignée des maîtres, pardon. Son ascension au pouvoir fut sans histoire et son règne égalitaire. On se souviendra de lui comme un chef équitable qui a offert de meilleures conditions de travail aux faucheurs. Ah. Ouais, en plus, il y avait de l'existentialisme. Hein, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Ok. Ma vie s'achève, mais ce maître veut vivre éternellement. Je trouve ça injuste. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Pom, pom, pom. Et du coup, ça sera lui le troisième boss ? Enfin, je le sens. Attends, parce que là, il y a la caméra qui... Est-ce qu'il n'y a pas un truc, là? Non? Non. Ok. Je me faisais un film. Alors. Yeah, graines! Ah, là-bas, il y a la... Ouais... Ça, je pourrais pas l'atteindre. Ok.
Sérieux? Ah. À peine maintenant? Ok. Ça c'est bon. C'est torché. Avec une clé. Une clé. Yeah! Je pourrais récupérer, ouais, le truc, hop. Alors, aussi, on peut... Ah, oh, il y a une autre, un autre passage. Attends. On va d'abord voir ça. Oh. Ah, c'est pour le... Le jouet. Qui était au fond. Ah merde, ce chemin qu'il fallait faire. Oh wow. Nice. Tu as trouvé une couronne ancienne. Elle est très étrange au toucher. Mais si elle avait été jadis imprégnée de vie. Là-bas. Oh, là, je dois tout refaire. Sérieux? Attends. Peut-être par là. Ah si, ok. Merci. Ouf. On sait déjà. Oh, ok. Il faut que je me refasse tout le chemin. Rip. Ici, c'est pour récupérer une âme. Nice. Bah là, en fait, il me manque quoi? Ah, il y a aussi les torches. Huh. Attends. Il n'y a pas autre chose, là? Ah ouais, parce qu'on a eu la clé. Je pense que... Enfin... Est-ce que je pourrais alors prendre la porte à gauche? Même s'il y avait la clé au-dessus? Enfin... Ouais, je pense que je vais faire ça, tant pis. Enfin, j'espère que ça va pas merder, surtout. Ouais, c'était ici. Ok. Impôt, super. On va voir...